Mesdames et messieurs, l'année qui s'achève n'a pas du tout été facile. Bon nombre de citoyens ont le sentiment que c'est une histoire sans fin. Et c'est tellement compréhensible, alors que se termine une deuxième année marquée par le corona. Pourtant, nous devons aussi oser regarder tout le chemin parcouru cette année. 2021 a surtout été l'année de la vaccination. Avec plusieurs milliers de bénévoles qui ont guidé et accompagné près de 9 millions de citoyens dans nos centres de vaccination. Un formidable exemple de ce que nous sommes capables de faire quand nous visons tous le même but. Comment ne pas évoquer aussi les efforts inlassables de toutes celles et tous ceux qui ont travaillé dans nos soins de santé, dans nos écoles. Pensons aussi à tous ces endroits dans notre société où les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont été généreux. À cet été, où les familles, les groupes d'amis ont enfin pu vraiment se retrouver après une année et demie. Nous avons vu tellement de résilience chez nos entrepreneurs, chez toutes celles et tous ceux qui travaillent, qui contribuent à façonner notre société. De la créativité aussi, bien nécessaire pour trouver des solutions malgré tout et de faire face à des circonstances exceptionnelles. Surtout, beaucoup d'égards les uns pour les autres, beaucoup d'empathie. Toute cette mobilisation solidaire me donne beaucoup d'espoir pour 2022. N'oublions jamais que c'est lorsque nous veillons les uns sur les autres que nous sommes les plus forts, lorsque nous travaillons ensemble et faisons preuve de solidarité. Car des embûches, il y en aura encore cette année. Mais tant de choses sont possibles si malgré toutes nos différences, nous laissons parler l'humanité et le respect, la gentillesse et la compréhension mutuelle. Si nous rassemblons toutes les énergies positives, de si grandes choses sont à notre portée. Abordons 2022 dans cet état d'esprit, avec égard pour les autres, avec créativité, avec confiance en l'avenir, mais surtout en l'autre. De tout cœur, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une bonne année et une bonne santé.